Chez les Blancs, quand tu veux travailler pour l'État et qu'on va te tester en histoire, tu arrives, regarde les questions qu'on te pose. Monsieur, voilà le Covid-19, une pandémie qui fait ravage en ce moment. Que pensez-vous qu'on puisse faire pour limiter ce genre de dégâts dans les jours à venir? Tu reprends, on te prend. Donc c'est pour tester comment tu peux réfléchir. On veut voir ta main. Il y a une question mature. Mais chez nous les Noirs, chez nous les Noirs, je ne sais pas, chez nous les Noirs. Tu arrives, tu veux travailler pour l'État? Regarde les questions qu'on te pose. Monsieur, qu'est-ce qui a causé la mort de Oum Niamey en 1958? J'étais là. J'étais là. Ça va nous aider. J'étais là. Avant ça. Brenda, ça vous donne quoi? Si j'avais su un seul instant, si j'avais su. Je savais, Brenda, ça fait 2 semaines. Chaque jour, je demande le cancer. Elle demande le cancer. Brenda, t'es quel callboxer? C'est Pourquoi tu m'as souillant, trouvé? hein. Moi, j'en vois que fou. J'en vois que fou. J'en vois que fou. Tu parles à Ronda tout l'occasion, je dis que non, tu as trouvé ta part de mou qui te fait le cancer comme tu veux. La nouvelle est venue chez moi, je suis. J'ai entendu. C'est fini comme ça. Hein. Et vous te rappelez que non, c'est pas parce que t'es gentil, c'est pas parce que t'es mougon. C'est parce que j'ai un cœur doux. Et je suis très gentil. Parce que. Mais quand même mal. Brenda, j'ai mal. Ça me fait quand même mal, Brenda. J'ai mal. Oui. J'ai mal, Brenda. Brenda, j'ai mal. La génération d'aujourd'hui va me finir. Vous n'avez pas me finir une fois. Pourquoi vous aimez le gaspillage? Pourquoi? Tout le monde se met maintenant dans la coupe. Et c'est comme ça que les gens se séparent. Les gens se séparent. Quand nos parents devaient se mettre en couple, vous avez suivi. Il fallait que ton père dépasse le même moment de 10 ans qu'il se met en couple. Aujourd'hui, vous venez, quand il est là, beau, elle est là, belle, ça suffit. Ça c'est pas la relation, vous avez suivi. Demandez conseils à vos parents. Bonjour à tous. Non, je suis pas venu pour déranger. Le fait que je reçois des messages depuis des gens qui disent que depuis le confinement a commencé, ils ne voient que les meilleures séries, ils voient que les meilleurs Tintin. Vous connaissez les Tintin que nous on a vu? Vous connaissez Conan le Barbare par la force de l'épée magique? Vous connaissez Sam Sam, Sonic, Dora? Merde. Et vu que vous voyez. Merde. Vous voyez qu'aujourd'hui. Vous dites que vous voyez qu'aujourd'hui. Sors. Tu connais, tu peux jamais ça. Les enfants d'aujourd'hui veulent même quoi? Quand Dexam est encore Dexam, Dexam c'est quoi sans Père Noël? Avant, quand tu attends le Père Noël jusqu'à 2 heures, il ne vient pas, tu attends, tu peux dormir, tu le matin, tu vois tes cadeaux, dès que c'est le Père Noël qui a donné, tu acceptes seulement. Tu prends un enfant d'aujourd'hui, du Père Noël, il va te regarder comme si Dexam c'est quoi sans Père Noël? Et même les cadeaux qu'on recevait en décembre, c'était les meilleurs cadeaux. Le pistolet, le téléphone, Huawei You, Anigan, Huawei You, Anigan, la poupée. Tu vas demander à l'enfant aujourd'hui que tu veux quoi pour Noël? Le Père Noël va regarder quoi? Il va dire qu'il veut la Fenty, Gucci, le monde. Où va le monde? Où va le monde? Et même quand il fallait s'habiller, on n'était pas facile. Toi, regarde. Tu veux fêter décembre sans pointillé, tu pars où? Tu pars où? C'était beau. Même quand il fallait se balader, on partait au manège, on sautait sur les mousses. Aujourd'hui, l'enfant, tu vas voir l'enfant à 15h devant la boîte de nuit qui veut coller, 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 coller. Arrête ça. Sauvage. Quand je vois les enfants d'aujourd'hui jouer, moi ça m'amuse, moi c'est mal. Vous voyez, ils jouent les PlayStation, les iPad aussi. Vous connaissez les jeux que nous on a joué. Vous connaissez le cache-cache, le ngoli-ngoli, le arrache-rache. Le jour que tu as les biscuits, personne ne te voit. Mais le jour que tu as le pain œuf, les gens vont sortir de nulle part avec les gros doigts. Ton cou va sortir comme ça. Vous connaissez, as-tu plié? Joue les gars, hein, ne plie pas, joue les gars. Tu es trop fort, joue les gars, ne plie pas. Vous connaissez le statut bis, le statut bis. Vous connaissez le Zoro tac. On te met le Zoro, tu peux courir 2 km pour toucher le poteau. Vous jouez quoi aujourd'hui? Vous jouez quoi? Vous jouez quoi? Ça fait déjà un bon bout de temps de ne pas aller à l'école. Me voilà à la maison. J'entends les gens dire un peu de partout là que si on pouvait annuler l'école l'année ci, là on fait les cours en ligne. Vous voulez faire les cours en ligne avec les réseaux? Avec MTN? Avec Orange? Attends, vous voulez faire rire les qui? Non, vous voulez les blancs faire les choses? Vous voulez. Fais-moi beau, je vous ai suivi, non? Les filles sont seulement vivantes, leur statut. Vous allez voir une fille, quand elle sort avec son amie, elle met son statut. Sortons vivants, et moi nous vivants. Qu'elle va aller à l'école, elle va mettre. Allons à l'école vivant. On devait aller à l'école étant mort. On devait s'aimer étant mort.
Ce matin, j'écris mon faux français dans le groupe. L'autre sort de nulle part. Je ne sais même pas d'où elle sort. Elle écrit ma fiche. Que mettons, écris-moi le français étant vivant. Arrête, arrête à sorcellerie. Arrête à sorcellerie.